tous. Toujours très heureux de vous voir si nombreux ici à Rennes pour le forum. J'ai la voix un peu grave parce que nous avons fait connaissance avec la trépidante vie nocturne rennaise, ce qui était pour nous une façon de préparer le forum et de réfléchir à la question du pouvoir de l'alcool et de la responsabilité du réveil difficile le lendemain. Mais en tout cas, voilà, on est là et on est très très heureux de vous compter aussi nombreux parmi nous. Peut-être que ça vous a frappé, mais effectivement, les intellectuels, c'est une grande tradition française, sont absents de cette campagne électorale. On ne les entend pas. On ne sait pas ce que le monde des idées pense du monde politique, du combat politique tel qu'il est en train de se dérouler déjà depuis quelques longs mois. Et il était donc extraordinairement important pour nous, dans un moment comme le moment que nous sommes en train de vivre, de donner la parole à ce monde-là. À part ça, ça va. Je vais vous laisser vous débrouiller avec ce thème du courage en politique. C'est pas le problème du courage, c'est le problème de la lâcheté et de l'opportunisme. En fait, dans nos sociétés, ce qui existe le plus, c'est l'opportunisme politique et la lâcheté politique. Et là, ça fait partie de ce que dit de ne pas dire ce qu'on pense dans une campagne électorale, de ses amis, de la vérité. Moi, je suis toujours surpris d'une chose très simple. Tout à l'heure, ce matin, j'étais sur Europe 1, et ils m'ont demandé la campagne. Et j'aurais dit, mais je vais vous dire une chose, on s'emmerde énormément. Et le journaliste, après, il est sorti me dire, vous êtes le seul à dire ce que pense tout le monde. Et bien, je lui dis, vous êtes journaliste, vous pouvez le dire. Personne ne vous en empêche. Au lieu de nous raconter toujours la dévouante, alors j'ai proposé qu'on vote dimanche prochain, c'est le 1er avril, comme ça on sera débarrassé. Ça, c'est pas du courage, c'est pas du courage. Donc je veux dire par là que ce qui est dans une démocratie, ce qui est fatigant, c'est qu'on soit, qu'on essaye de parler, de caresser dans le sens du poil ses amis, et non pas avoir, et ne sais pas quoi, de la lucidité quand on pense autrement, et de le dire et de provoquer un vrai débat sincère. Et c'est ce que j'appelle la lâcheté. Donc le problème des démocraties, c'est la lâcheté, et le problème des dictatures, c'est le courage. Une phrase qui m'a toujours marquée, c'est les petites lâchetés qui renforcent les dictatures, et c'est les petits courages qui les défont. Et c'est vrai que ça se passe comme ça. C'est une accumulation de petites lâchetés, et chacun croit que comme c'est petit, c'est rien, ça compte pas, mais comme c'est un mouvement de petites lâchetés, eh bien ça renforce les dictatures. Et l'inverse, des petits courages, des petits gestes de rien du tout qui consistent à refuser de se soumettre à un ordre,
à une injonction qui est illégitime, illégale, c'est même si ça, l'acte est vraiment banal, comme un simple conducteur de voiture qui refuse qu'un policier exige de lui un acte qui n'est pas légal, eh bien ça renforce une tendance et ça donne une fragilisation à ces pouvoirs autoritaires et qui sentent que le lien avec lequel ils tiennent toute une population, c'est la peur. Et le jour où cette corde est coupée, ils n'ont plus aucun pouvoir sur les populations.